J'entendis autour de moi, regarde celle-là, mais où est-ce quoi? D'une fille légèrement découverte avec du blush sous les mirettes. Ça me saoule, t'imagines même pas. Alors je réponds deux fois sur trois, ton avis sur cette midinette? Garde-le pour toi. Quand dans la rue je croise un copain qui me tartine son baratin, narrant de torrides anecdotes sur le capot de sa Ford Escort, je lui dis d'un air plaisantin que de mon côté ça se passe très bien, pas besoin de sortir la capote, moi je suis fidèle à ma main. Parfois j'aimerais être doté d'une messagerie vocale pour éviter de supporter d'abondantes nuisances verbales. Si ça m'amuse de temps en temps d'entendre des discours d'ignorants truffés de clichés d'amalgame sur les banlieues ou sur l'islam, la connerie je trouve ça marrant, mais arrive toujours un moment où la discussion s'emballe. Alors dans ce cas je fous le camp. Parfois j'aimerais être doté d'une messagerie vocale pour éviter de supporter d'abondantes nuisances verbales. La connerie atteint des sommets quand le samedi dans les troquets l'homme peut devenir animal à l'issue d'un match de finale. Quand un supporter énervé se vante d'avoir envoyé deux Marseillais à l'hôpital, et oui, le con préfère gagner. Parfois j'aimerais être doté d'une messagerie vocale pour éviter de supporter d'abondantes nuisances verbales. Parfois j'aimerais être doté d'une messagerie vocale